Oh. You the bad beat bump. Yeah. You the bad beat bump. Hi Angels, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un try on haul. En fait, dès que vous voyez ce petit colon façon là, sachez que c'est pour faire un haul. Le colis que j'ai reçu vient de chez Pretty Little Thing et cette fois-ci j'ai voulu faire un haul qui arrange tout le monde et qui va vous choquer, parce que là en vrai j'ai pris des vêtements, des robes de soirée. J'ai pris des robes de soirée qui ne dépassent pas 5€ si je me souviens bien. Je vais regarder après, mais normalement ils sont tous à 5€ ou 6€, pas plus. Donc là, I am shocked. Tu vois un peu sur le mannequin à quoi ça ressemble, mais quand ça arrive, c'est pas pareil. Donc là, on va voir déjà si ça va être pareil que sur la photo et si ça va m'aller, parce que bitch, j'ai grossi, je suis devenue une patate. Donc la dernière fois que j'ai fait un haul justement, il n'y a rien qui m'allait. Là, j'ai tout commandé en taille 8. J'espère que ça va aller. Parce que là, après le confinement, les gars, après le confinement, je vous dis même pas. Il n'y a même pas besoin de faire un dessin. Mais le turn-up que je vais faire, bah incroyable. Le turn-up, genre 90 degrés. Tout en 80. Regardez ou pas? Tout en 90 degrés. Je crois que même ceux qui ne sortent jamais vont sortir après le confinement. Là, j'ai un trop plein d'énergie. Je me suis déjà trop reposée. J'en peux plus. Faut que je sorte. 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 Donc, maintenant que je suis bien excitée, parce que là, je ne peux plus que ce confinement, il me rend folle. Justement, après, en fait, après ce confinement, je crois qu'on va tous faire, on va tous vivre notre the best life. Aussi tôt que possible, le plus tôt possible en fait, parce que après le corona, je sais pas ce qui va suivre. Parce qu'avant il y avait les grèves, après on a eu un truc genre pénurie d'eau, il y avait plus d'eau nulle part, tu devais plus boire de l'eau du robinet ou je sais pas quoi, il y avait eu une crise comme ça. Après bail de gilets jaunes, maintenant corona. Après corona, vous allez nous inventer quoi en fait? On est que en avril. D'ailleurs, mon anniversaire, je l'ai fêté dans le confinement quoi. Là, j'ai le macabo. Tu connais le macabo? Chez moi, on dit, tu gèles le seum. Là, j'en peux plus. Là, j'en ai marre. Donc, après ce confinement, je vais prendre une petite chambre d'hôtel. T'as là-bas relaxation, t'as là-bas sauna, t'as là-bas spa, t'as là-bas chambre d'hôtel, t'as là-bas coulance. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je vais vous parler d'un petit bon plan que j'ai découvert et dont je fais partie en fait. En fait, c'est un site. Attendez, je... Donc là, vous allez sur le site Daigo, vous tapez votre destination, on va dire aller Espagne. Ibiza, parce qu'on aime la fête. On va dire, on choisit en juin du 6 au 13. Vous avez deux chambres, une chambre pour deux adultes. Donc, ça fait la recherche. En fait, dans le site, il est dans le monde entier. Vous pouvez faire des recherches dans le monde entier pour les chambres d'hôtel du monde entier. Je crois que j'ai assez dit entier. Ensuite, vous défilez juste, en fait, en fonction de ce que vous voulez, le nombre d'étoiles que vous voulez. Vous pouvez affiner, en fait, vous pouvez filtrer votre recherche. Donc là, on va mettre en 4 étoiles. Toujours pour un adulte. Une chambre pour deux adultes, pardon. Ensuite, vous cherchez en fait celui qui vous plaît, hôtel, spa, tout ça, tout ça. On va prendre nous plutôt. Donc on va prendre hôtel, appartement. Oh, ok, d'accord, Blue Park. Ok, pour comparer maintenant, pour voir que c'est vraiment moins cher sur Aigo que sur les autres sites, je copie juste le nom de l'hôtel. Vous vous rappelez, là, on a 106€ d'économie. Et là, le prix, il est à 747€. Maintenant, on va aller sur Booking et voir combien ça va nous faire. Ok, donc là, sur Booking, on va taper le même hôtel, la même date et toujours pour une chambre pour deux adultes. Là, on fait la recherche. On va voir comment ça va nous faire. Sur Booking, on est à 885€. Alors que vous vous rappelez, sur Aigo, on était à 747€. Donc, on fait vraiment 106€ d'économie. Quand vous êtes membre,
vous, quand vous créez votre compte, vous êtes enregistré, vous avez la possibilité de voir directement les différences de prix en fait. Là, on nous montre le prix de Booking, par exemple, aussi sur ce site que je ne connais pas aussi. Et ça, vous pouvez le faire sur toutes les réservations. Là, c'est encore plus d'hôtels, enfin plus de sites de comparaison. Et vous voyez vraiment la différence de prix à chaque fois. C'est rapide, c'est simple, pas très compliqué. Voilà. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Maintenant que je vous ai mis mon petit bon plan. Donc, c'est parti. On croise les doigts. J'espère que ça va m'aller, franchement. Parce que la dernière vidéo, c'était bien drôle. On a bien rigolé, tout ça, tout ça. Mais à un moment donné, il faut que j'ai de quoi m'habiller à la fin de ce confinement, en fait. Parce que je vais sortir tous les jours. J'ai cette petite jupe. J'espère que ça va rentrer. J'ai grossi à ce point quand même. Oh, les coutures se sont défaites. J'ai essayé, mais non, c'est taille 8 là. Je faisais taille 4 de base. C'était censé ressembler à ça. Ça recommence dès le premier truc, genre. Mais ça allait être trop cute. Ensuite, on a cette robe-là. Oh, c'est tellement cheap. Mais juste la matière. En fait, il y a un peu des paillettes, de toute façon. Il y a des paillettes dessus un peu. Mais le tissu est tellement cheap. Mais à la mort. Est-ce que vous entendez le bruit? On en parle ou pas? Franchement, là, à part la matière qui me semble un peu cheap, ça va. Je pense que j'aurais pu la prendre en taille 6 parce qu'il y a encore un peu d'espace. Mais bon, ça me va. Je préfère que ce soit un peu grand que trop collant. Porter la matière, ça va mieux que quand je l'ai sorti du sachet. Mais c'est pas une qualité de ouf, quoi. De toute façon, c'est 5€. Tu peux pas t'attendre à une qualité de ouf. Mais ça ressemble à ça. Au niveau de mes seins, j'ai cru qu'il allait avoir un truc pour tenir un peu. Bon, ça va. Franchement, pour 5€, tu peux pas en demander plus. Je peux m'en sortir avec. Je peux faire quelque chose. On peut s'en sortir. C'est jusqu'à ce niveau-là. Je fais 1m69. Quelque part par là. Donc, pour que vous voyez un peu où ça arrive carrément presque au niveau des pieds. Le détail là, donc il faut être totalement naked en bas. De base, j'ai cru que ça allait, tu devais être totalement naked en bas pour que ça rentre. Mais vu que moi, c'est un peu grand, ça descend jusqu'à ce niveau-là. Enfin, jusqu'à ce niveau-là, la partie transparente, elle descend. Je peux mettre quelque chose en dessous, mais maintenant, quelqu'un qui prend sa taille, je sais pas à quel niveau ça va être. Donc, selon où vous voyez. Ensuite, on a cette petite robe. J'ai presque du mal à respirer dedans. Franchement, j'aime trop les robes comme ça. Genre ici, ça te bouche un peu. Sauf que là, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut mettre un soutif à l'intérieur. Sinon, ça aplatit en fait. C'est pas une... Si ça remontait un peu plus comme ça, je sais pas ce qui fait qu'ici, il y a une ligne. Mais c'est pas très, très flatteur. Enfin, je sais pas, je suis mitigée en fait. En fait, cette ligne fait que c'est pas très flatteur. C'est comme si ça divisait en fait tes loulous en deux. Elle se présente comme ça. J'aime bien la longueur. Pour une fois, c'est pas très très ras les paquets. J'aime bien la longueur. Ici, ça fait un peu genre corset. Donc, ça ressemble à ça. J'aime bien. Mais bon, à part le côté où ça aplatit un peu mes seins. Sinon, de face, ça va. J'aime bien la matière, c'est un peu... C'est la fausse soie. Je sais pas si ça existe, mais on dirait de la soie. Mais comme c'est pas de la soie, je dis fausse soie. Ouais. Ensuite... Bitch! Ah, don't try me. Alors, j'espère que ça va rentrer parfois. Parce que je suis là, je m'en jaillis pour rien. Nous avons cette petite robe plutôt like... Savage. C'est quand tu mets ce genre là, tu te sens like the king, the queen of the world. Donc on va l'essayer. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Je pense que ça va rentrer, même si je suis devenue une grosse patate.
C'est, attendez, c'est comme ça. Et genre, tu dois juste mettre et faire pop, pop, pop. C'est mort. C'est mort. Ça rentre pas. Ça se ferme pas. Oh, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum. Pourtant, je l'ai pris grand. Parce que je savais que le cuir, ça se tire pas trop. Mais ça ne rentre pas. Donc, ça reste comme ça. Ça ne rentre pas. C'est mort. Ok. Ça se ferme pas. En fait, c'est juste ouvert comme ça. Et t'as juste à fermer. Sauf que je ne peux même pas fermer la moitié, en fait, du truc. Donc, on va passer à autre chose. Parce que là, ça devient gênant. Là, ça devient vraiment gênant, en fait. J'ai vraiment grossi. Par contre, ça, j'ai pris en taille 8. Bah, comme les autres, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé au moment de la commande. Je me suis trompée. J'ai pris taille 6. Mais en fait, il fallait la taille 10 au moins. Parce que même taille 8 n'aurait pas suffi. Mais bon, je suis un peu dégoûtée parce que je l'attendais en fait. C'est plus celle-ci que je voulais mettre qu'autre chose. Mais. Pamboka. Alors là, celle-ci. Elle traîne par terre. Alors, je vous ai dit, je fais 1 mètre, je sais pas combien. Je me mets sur la plante des pieds. Ça traîne par terre. Ça traîne par terre. Mais qu'est-ce que... Maman. Yeah. Mais là... Comment te dire? Là, ça c'est la robe de la menace. C'est comme ça que je vais l'appeler. C'est-à-dire... Ah ouais, t'es sûr? Ah, t'es sûr que tu veux faire ça? Ok, y'a pas de soucis. Tu sors comme as. Bomboclate. Bomboclate, on t'a dit. En fait, elle est assez longue pour faire genre robe de soirée. Mais à quelle soirée tu vas te ramener genre... Elle s'attache dans le dos, donc c'est aussi un peu ouvert dans le dos. Elle est trop magnifique. Le seul truc, c'est que en fait, je pense que plus je vais l'attacher, en fait, il faut plus l'attacher pour serrer. Parce que sinon, ça va... En haut, l'autre, il va en bas, je sais pas, mais bon. La matière, c'est comme la matière de l'autre robe, là, l'autre longue robe. C'est un peu pareil, ça fait... Il y a un peu des paillettes. Tu mets un peu de paillettes dans ta vie. Mais la matière, en même temps, ça reste à 5 euros, quoi. Tu vas pas t'attendre à un truc de ouf. Franchement, elle est belle, je l'aime bien. Juste le fait qu'elle traîne par terre, ça m'énerve un peu. Je vais la couper et la rendre un peu plus à ma taille. Donc ensuite on a cette robe là. Franchement, je suis trop Angélique dedans. Alors là, je porte bien mon nom. C'est trop mignon, c'est trop cute. Bon, j'ai pas réussi à fermer jusqu'en haut, mais c'est trop cute. Franchement, c'est une bonne qualité pour le prix. Donc là, je doute pas que ça va m'aller, ça me va bien. J'aime bien les petits froufrous là aussi. C'est trop cute. C'est cute, mais en même temps, je peux la rendre archi. Sexe, j'aime bien. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est une robe blanche, simple, enfin simple, avec ce truc juste pour un peu décorer. À ce niveau, il y a des barres. Je sais pas à quoi c'est censé servir. Je sais pas à quoi c'est censé servir, mais bon, elles sont là. J'aime bien. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Elle est toute mimi. Je suis toute mimi. Nous sommes toutes mimi. Ok? Next. Donc la dernière, ça va être celle-ci. Comme ça, je pense pas que vous allez voir vraiment ce que c'est. Je vais la porter et on va voir ce que ça donne. Par contre, elle a un terrain à m'aller parce que... Je vous explique. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc ça a vraiment un terrain à m'aller parce que sur la mannequin, c'était... Donc comme on sait, je suis une mannequin, t'en vas. Mannequin. Je me fatigue toute seule. On va essayer de voir ce que ça donne. Ça, je voulais juste vous montrer avant de faire une. En fait, à l'intérieur, il y a une jupe et le haut, c'est ça. Et on dirait un blazer. Et t'as juste à... Ici aussi. Donc... C'est juste à mon sourire, vous voyez comment je la kiffe. J'aime trop la matière purée. La matière, franchement, pour le prix, je meurs. C'est trop beau. C'est trop beau, j'aime trop. J'aime trop. Alors, dans le dos, ça ressemble à ça. Oh, tu sais quand tu te sens
hype. Juste ce moment-là, est-ce que tu... Je te laisse le ressentir. Ah non, c'est trop chic. C'est trop chic. La robe, elle fait trop chic. Tu peux la caler n'importe où. Tu peux la caler dans un endroit où il faut être classé, you know. Tu peux la caler où reste-tu avec ton chéri si tu veux le mettre bien. Tu peux la caler. Tu peux la caler à un événement. Tu peux la caler partout. À un anniversaire. Bon, si tu viens à mon anniversaire comme ça, je vais te mettre dehors parce que c'est moi qui suis censée être la plus canon de la soirée. Mais si t'es ce genre de personne, tu peux la mettre à un anniversaire. Can we give a moment to this dress? Like, what the... Oh. Holy moly. Holy shit. Les détails, je sais pas si vous allez réussir à bien voir, mais la matière et les détails sont magnifiques. Je crois que c'est ma meilleure... Je crois que c'est... Non, sans blague. Et ça fait peut-être 4 ans que je commande sur Pretty Little Thing. Pretty Little Thing, on va le dire en anglais, genre. Ça fait au moins peut-être 4 ans que je commande chez eux. Je crois que c'est la meilleure commande que j'ai eue à ce prix-là. C'est la meilleure. La meilleure. J'aime trop. C'est trop beau. C'est trop cute. Regarde l'ambiance. Tu bloques. Le décolleté parfait. Pile ce qu'il faut. Pile ce que j'aime. Pas trop olé olé. Donc vous pouvez ajuster les manches. Franchement, elle est trop canon. Trop canon. C'est le dernier article que j'ai acheté. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour cette vidéo. Franchement, cette vidéo, elle était un peu plus convaincante que l'autre. Les vêtements en soi, ils sont bien. Mais c'est juste ma taille. Je n'arrive pas encore à la trouver vu que je ne fais que prendre du poids. Avec ce confinement, je ne fais que graille. Bon, je mens un peu parce que même sans le confinement, je graille. Mais là, si je ne fais qu'en prendre. Et j'aime bien, moi, ça me va. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Je l'ai cherché, donc voilà. Je trouve que ce haul, un peu, il y a plus de choses qui me vont. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que la prochaine fois que je ferai un haul, tout m'ira. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça m'aille. Parce que là, j'en peux plus. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et vous pouvez aussi regarder mes anciennes vidéos. Parce que, en vrai, de vrai, vous n'avez rien à faire. Vous êtes tous chez vous, donc faites pas grave. Vous êtes occupés parce que vous n'avez rien à faire. Donc, si vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche. Je ne le dis pas souvent aussi, activez la cloche. C'est important pour que vous sachiez à quel moment je poste des vidéos en fait. Donc, vous avez juste la notification qui apparaîtra sur votre écran. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Kissons.